بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد إن الدين عند الله الإسلام صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم فسهل يا إلهي كل صعب من حرمة سيد الأبرار سهل اللهم صل على محمد وعلى آل محمد بعدد كل ذرة ألف ألف مرة اللهم صل على محمد أفضل صلواتك جزى الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم بما وأهله رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم اغفر لهما وادخلهما بالجنة الفردوس بغير حساب ولا سابق عذاب وإني أعوذ بالله أن أكون في نفسي عظيما وعند الله صغيرا. Toutes les louanges appartiennent à Allah subhanahu wa ta'ala, le tout clément, le très miséricordieux, celui qui nous a permis de venir dans sa maison bénie, la masjid, en toute sécurité, celui qui nous a accordé tous les moyens pour pouvoir se déplacer avec une facilité, alhamdulillah, extraordinaire. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a accordé la richesse par excellence, ce qu'aliment la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Nous savons tous le fameux hadith de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, qui dit que si on prend ce kalimat, si on matérialise ce kalimat, et on le place dans le plateau d'une balance, et dans l'autre plateau de la balance, on matérialise ce monde, l'univers, les sept cieux, les sept terres, et tout ce que ce monde peut contenir, et on le place dans l'autre plateau de la balance, le plateau dans lequel il y a ce kalimat-là, il pèsera plus lourd que les sept cieux et les sept terres réunies. Tout simplement pour nous faire comprendre que le matériel n'est pas synonyme de succès. Les sept cieux, les sept terres, ceux qui n'auront pas eu ce iman, ce kalimat-là, ils désireront en échange de ce kalimat donner comme rançon tout l'univers. Mais ce ne sera pas possible. Donc tout cela pour attirer notre attention que le matériel, c'est un moyen, c'est un intermédiaire, mais ce n'est pas une finalité. Et ce kalimat-là, ilaha illallah, une petite parole, subhanallah, même si une personne, regardez bien, même si une personne, toute sa vie durant, elle n'a pas eu ce kalimat-là, ilaha illallah. Mais au moment de mourir, et combien d'histoires, qu'au moment de mourir, cette personne a dit, j'accepte ce kalimat-là, ilaha illallah. Même si elle n'a pas pu accomplir une salat, même si elle n'a pas pu accomplir une bonne action, mais au moment de mourir, cette personne prononce « La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah ». Il accepte au plus profond de son cœur, subhanallah. Et combien d'histoires, nos amis même, nos propres amis, qui ont embrassé l'islam et dont leurs mamans ont embrassé l'islam, mais qui était dans les soins palliatifs, mais au dernier instant, il a parlé avec sa maman, lui a fait comprendre, et sa maman dit, j'accepte. J'accepte ce kalima, et j'accepte qu'il n'y a pas d'autre Dieu à part Allah, et que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est son envoyé prophète. 20 secondes plus tard, elle rend l'âme. Subhanallah. Et elle est inhumée dans notre cimetière à Saint-Paul. Subhanallah. Donc pour nous dire que le matériel c'est un moyen, c'est pas une finalité, le matériel n'apporte rien, un semblant de confort, mais le confort lui-même, c'est dans le kalimat la ilaha illallah. Cette tranquillité plus profonde de notre cœur, subhanallah, cet apaisement, cette sérénité, cette tranquillité, c'est uniquement dans le dîn.
Subhanallah. Et nos pieux prédécesseurs, ils nous ont montré que quelles que soient les épreuves de notre existence, quelles que soient les situations difficiles de notre existence, mais lorsqu'on garde foi avec ce kalimah la ilaha illallah, tôt ou tard, il y a une aide. Il suffit d'avoir cette conviction ferme que, oh Allah, c'est toi qui donnes les épreuves, c'est toi qui enlèves les épreuves. Oh Allah, dans chaque situation, en apparence, c'est difficile. J'ai perdu mon travail, j'ai perdu tel membre de la famille, tel membre de la famille est dans une difficulté, j'arrive pas à trouver une solution. Mais qu'est-ce que Rasulullah s.a.w. nous a enseigné? Kana an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam. Regardez, prenons cette habitude, parce que la vie elle est synonyme d'épreuve. On va jamais connaître nos pieux prédécesseurs, subhanallah, Imam Ahmad rahimahumullah, quelle épreuve il a eu, quelle épreuve. Imam Abu Hanifa rahimahumullah, Imam Shafi'i rahimahumullah, Imam Malik rahimahumullah, nos pieux prédécesseurs, Sufyan ibn Uyayna rahimahumullah, etc., etc. Et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Parmi les prophètes alayhi wa salatu wa salam, celui qui a connu le plus d'épreuves, c'est Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. De toute la création, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, c'est celui qui a connu l'épreuve la plus difficile. Mais Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nous montre que sa vie scindée par des situations de joie, de tristesse, mêlées de joie et de tristesse, de santé, de maladie. Mais Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, kana an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam, idha hazabahu amrun, salla. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il avait une difficulté quelconque, il accomplissait deux unités de prière sur et regardant Allahu Akbar. Tout cela pour nous montrer notre statut. Notre statut d'esclave et de serviteur auprès d'Allah. Wallah, c'est toi. Je fais mon effort, mais wallah, c'est toi qui décides. Le dernier mot, c'est toi. Mais le dernier mot, il est important. Wal'aqibatu lil-muttaqin. La fin heureuse appartient à ceux qui craignent Allah subhanahu wa ta'ala. Et notre vie, ben, on doit la préparer. Et nous allons voir, inshallah ta'ala, que derrière toutes ces situations difficiles de notre existence, lorsqu'on fait preuve de sabr, de persévérance et de patience, ben Allah subhanahu wa ta'ala, il ouvre toujours une porte. Lorsqu'on a cette conviction, et Allah subhanahu wa ta'ala, derrière chaque situation, il nous renforce. Il renforce notre iman. Et il nous prépare pour l'au-delà. À nous maintenant d'avoir confiance en Allah subhanahu wa ta'ala, quelles que soient les situations dans lesquelles on se trouve, je n'oublie pas mon identité de musulman. Quelle que soit la période, que ce soit une période festive, que ce soit une période difficile, je sais ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala il me demande, donc je m'adhère à ces règles. Je suis musulman. Et là, nous allons voir que, en dépit des épreuves, il y a comme une tranquillité qui descend. Il y a comme un apaisement. Il y a un renforcement de notre lien avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et ensuite, que dire de la vie de l'au-delà qui attend le croyant avec joie, avec béatitude, tranquillité. Et c'est ça notre demeure, inshallah ta'ala. C'est exactement, regardez, l'exemple, il est d'actualité. Lorsqu'on va prendre l'avion, lorsqu'on doit voyager, je m'assure que tout est en règle. C'est-à-dire dans chaque situation, et chacun sait cette situation avant de voyager. Le billet. À quelle période ça coûte moins cher? Un an en avance, j'ai déjà réservé. J'ai déjà fait les économies. J'ai préparé les enfants, madame. Voilà. Inch'Allah, on doit voyager. Voilà ce qu'on va faire. Ça. On va réduire les dépenses. On va préparer le visa. On va regarder les sacs, etc., etc. Tout est en place. Un an de préparation avant de voyager pour telle destination. On sait bien qu'est-ce qu'on doit faire. Et lorsque tout est prêt, c'est le moment du départ. Tout le monde est content là, tout le monde est excité parce que on doit partir. On attend le moment. Là, on regarde bien, tout est en règle. On n'a rien oublié.
Putain, oublie pas tes bonbons, la petite, oublie pas tes bonbons, le grand, oublie pas ton... S'il y a du retard, ben au moins tu as quelque chose à lire, ou bien tu as quelque chose à faire. Tout est calculé. Oui ou non? Tout est calculé. Même jusqu'à la dernière minute, on s'assure que le passeport, visa, tout est là. Et ça, c'est un voyage d'une certaine durée. On arrive à l'aéroport, et là, on pèse les bagages, on pèse les valises, on regarde si tout est en règle. Il faut pas dépasser 500 grammes, ma maille, hein. Certaines compagnies sont très, très réticentes. Au moins de grammes, pas au moins de kilos, au moins de grammes. Donc, on va regarder ça, ça, ça. On est bien d'accord. On arrive, on pèse les bagages, etc. Tout le monde est content, là. Quand on finit d'enregistrer, là, tout le monde est content, tout le monde. Même si on n'a pas dormi, mais le fait qu'on sait que je dois voyager, là, c'est comme le stress. Et après, on attend juste l'appel. Passengers to flight 649 to Detroit, New York, New Jersey, please proceed to gate number 4. Même si vous ne comprenez pas l'anglais, même si vous ne comprenez pas le chinois, même si vous ne comprenez pas, mais vous dites, papa, c'est nous là, on doit partir là. Non, non, attends. Et là, on attend l'appel. Al-Raja al-Babu 20 wa 5. Et voilà. Quel que soit l'endroit, on attend. On embarque, on est dans l'avion, tout. Maman a préparé les sandwichs, on a tout préparé. Tout préparé. Jusqu'à le lot de bouchons gratinés aussi dans l'avion, le hôtesse dit, beaucoup de santé, mais tout est prêt, on est bien d'accord. Et ça, c'est un voyage qui dure une certaine durée. On arrive, on se repose, et après, on a des destinations bien précises, on va atteindre. Le retour, il y a toujours, chaque chose a une fin, même les meilleures choses. Là, on veille les bagages. Est-ce que on respecte le poids, etc. Tout est en ordre. On est bien d'accord. Chacun le sait. Chacun a déjà fait cette expérience. Et là, on regarde si tout est bien. Là, on achète ce qu'on a besoin. On achète parfois ce qu'on n'a pas besoin aussi. Et que là, c'est meilleur marché, etc., etc. Mais après, il faut retourner. Et il faut retourner. On pèse les bagages. On veille que tout est en règle. À l'aéroport, même s'il faut arriver à 3h de temps, déjà parfois c'est à 5h de temps parce qu'il y a les embouteillages, etc. On arrive et on retourne, tout s'est bien passé, alhamdoulilah. Et on reprend la vie, t'es là, on pense au voyage, t'es là, me sente là-bas. Maman, je biltong, la viande séchée, t'es ça, t'es bon, t'es maman, ça, t'es ici, non, point ça. Là, on pense. Là, c'est la nostalgie du voyage, etc. Ça va prendre du temps pour que cela passe, etc. Mais ça, c'est un voyage qui est temporaire. Et à un moment donné, tu te dis, t'es venu fatigué, il me rentre la maison parce qu'il m'est fatigué, c'était. Parce qu'il faut suivre derrière. Après, t'es là, il y a maintenant mon riz blanc avec mon haricot, avec mon gros gars, là, mon riz, ou bien mon pois, t'es, ça, il manque à moi. Là, retour, pense ça, où, là, tu dois retourner. T'es mon tel, ça fait mon croquette, tout ça, là, t'aimes ça, moi. Ah. Mais ça, il y a un retour. Mais il y a un voyage dont la préparation, elle est toujours permanente. Elle doit être là. Ça, c'est un voyage qu'on a préparé il y a un an de cela. Oui ou non? Mais il y a un autre voyage que depuis l'âge de la puberté et jusqu'à maintenant où on a encore cette vie, ben ce voyage-là, il est imminent. À n'importe quel moment, on entend, c'est l'heure pour toi de partir. Et ça, c'est un voyage qui n'a pas de retour. Exactement comme le voyage, on a préparé, on s'est donné du temps, on a pris la peine, on a économisé. Mais ce voyage-là, lorsqu'on quitte, mais on quitte pour toujours, et on ne revient plus. Et là, dans la tombe, on est tout seul. Et nos ressources à nous, ce sont les bonnes ou les mauvaises actions. Et ce voyage-là, il est chaque jour, chaque instant. Combien d'exemples on a, subhanallah. Combien d'exemples on a. Notre cher Mon Abdul Hamid Sahab, hafizahullah, son beau-frère, il fait le bayan de Jum'a. Il fait le khutbah de Jum'a. Il fait la salat de Jum'a. Il termine la salat de Jum'a.
il fait doa. Lorsqu'il fait doa, on entend, et à un moment donné, on n'entend plus rien. Il a rendu l'âme. Il était en train de plaisanter dans le bayan. Il a rendu l'âme après avoir fait doa. Et ce voyage n'attend personne. Il faut être prêt à chaque moment. Exactement quand on voyage pour un pays, on regarde que chaque chose, les médicaments, les chaussures, les vêtements, ça, pour le dîner, c'est pareil. Dans mes transactions, dans mes relations, dans les choses qu'Allah ce matin-là il me demande, et où je ne transgresse pas les ordres d'Allah, dans chaque chose, et ça c'est chaque instant de ma vie. Et il n'y a pas de retour. Et il n'y a pas de retour, parce que Allah ce matin-là l'a décrété ainsi. Et là, où, subhanallah, exactement comme quelqu'un qui a réservé un hôtel, quelqu'un qui a réservé un hôtel, il n'a pas encore vu l'hôtel, mais il voit sur le net les différentes chambres. Subhanallah, celui qui est dans sa tombe, lorsqu'il a réussi, il a passé la douane, parfois on l'appelle la douane. Même si, alors ça c'est naturel, même si tu n'as rien, mais tu flippes, parce que ben, c'est flippant. C'est flippant, mais tu flippes. Même si t'as rien à déclarer, t'es en règle. C'est-à-dire, il suffit que le douanier te regarde comme ça, ben, Ali, tourne la tête. Non, c'est où, monsieur? Ah, à moi? Oui, ben, oui, je m'appelle. On contrôle. Dans la tombe, comment on va faire? Bah, oui, ici, on connaît un camarade. Hey, dis douanier, la laisse-moi passer, mon caté. Ne tracasse pas, même ni l'aéroport, ne tracasse pas. Mais là-bas, dessous. Là, dessous, c'est qui? Dessous, il n'y a pas piston, il n'y a pas de... Dessous, il n'y a pas de personne, hein? Attends, écoute, téléphone un camarade, petit, il y a un instant. Hein, laisse Ali passer, hein? Non, c'est pas comme ça, ça se passe pas comme ça. Allahu Akbar. Et lorsqu'on a réussi, on a passé la douane, tout ça là. Et là, il y a une fenêtre qui s'ouvre. D'abord, on lui dit, Nam, quel arous. الذي لا يوقظه إلا أحب أهله. Maintenant on dit, c'est comment arrive l'hôtel là? Fin pas coûte l'argent. Et Joe, là, bonne nuit, tout va bien. Tout va bien. Vers Poaké, on a déjà dit, il faut apprendre à conjuguer le premier groupe, c'est Poaké. Tout va bien. Allez dormir. C'est pas fin pas coûte l'argent. De l'autre côté, il dit fin pas coûte l'argent. Allez dormir, c'est pas de problème. No problem, no sweat, sin problema. Là, on connaît toute langue. Là-bas, quand l'ange, il te dit, Nam, dors. Quel arros, comme la première nuit de ton mariage. Alladhi la yuqidhu. Personne ne va te réveiller, sauf ta bien-aimée. Et là, on ouvre une porte, et dit, tu vois ça? Ça là-bas? C'est ta demeure dans le paradis. Et toi, tu voudras y aller? Non, non, l'ange a dit, non, wait. Intadhir. Intadhir, attends, c'est pas encore l'heure. Et là, cette porte va rester ouverte. Il y a une brise du paradis qui vient te bercer. Et là, tu sais que ce voyage-là, tu regretteras pas que ce sera pour toujours. Tu voudras même pas faire marche arrière. Dis non, c'est pas comme un voyage où voyage, à un moment donné, tu t'es fatigué, il faut me retourner mon casa. Là-bas? Non. Là-bas, tu sais qu'est-ce qui t'attend? Rien! Aucun souci d'argent, aucun souci de santé, pas de vieillesse, pas de maladie. Où mange? Là, normalement, enfin, il y a des divergences. Sous les diabétiques, 5 litchis, pas plus que 5 litchis. Hein. Ou peu mange plus de 5 litchis, je suis pas docteur, mais ou peu mange plus que 5 litchis, ma poudre, un petit poudre à côté. Une poudre qui est licite, bien sûr, à prendre pour calmer le diabète. Hein, d'accord, on est bien d'accord, une poudre qui est licite pour calmer le diabète, pour maintenir cet équilibre-là. Là-bas, on mange comme on veut. Soutar fini, bileton, enfin bref. Allah ce matin-là, vraiment, nous donne toute sa compréhension de préparer ce voyage. Et c'est ainsi que pour toujours. Et on regrettera pas cette préparation. Allah ce matin-là, nous donne toute sa compréhension de ce qu'on vient de dire. Et qu'Allah ce matin-là fasse que chacun d'entre nous, lorsqu'on passe la douane de l'au-delà, ils nous disent, c'est bon. Pas de problème. Tu as fait ton effort, maintenant tu peux partir. La voie est libre. À toi maintenant les délices et les joies du paradis.
Allah subhanahu wa ta'ala nous donne tous la compréhension de ce qu'on vient de dire. Allah subhanahu wa ta'ala fasse qu'on soit parmi ces gens qui entreront, inshallah ta'ala, dans le paradis d'Allah subhanahu wa ta'ala, sans avoir à rendre compte. Amin. Fajazakumullah khairan. Sinan jazakumullah khairan.